Lorsque nous prononçons le mot histoire, d'ailleurs, dites-le pour voir. Super. Maintenant, je voudrais que vous pensiez 2 secondes à l'image que vous avez eue en tête quand vous avez prononcé ce mot. Et ben, je suis presque sûr qu'il y en a parmi vous qui ont directement eu l'image de leur cours de collège ou de lycée, de leur livre qui pesait 1 tonne autant dans leur sac que dans leur mémoire et qui, il faut bien le dire, était loin de tous nous parler. Eh bien, c'est absolument pas ce dont il est question ici. Ici, il est question de s'imprégner. Non pas de l'histoire, mais des histoires. Car elles sont une infinité et elles ont toutes quelque chose à nous offrir. Alors, si vous le voulez bien, durant les quelques minutes que nous avons à passer ensemble ce soir, j'aimerais vous donner ne serait-ce qu'une idée de tout ce que les histoires ont à nous donner. Et parce qu'il faut bien commencer quelque part, je voudrais vous parler d'une des premières histoires qu'on nous a tous racontées, peu importe notre âge. La fable. Vous vous souvenez des fables? Du corbeau et du renard, de la fontaine, tout ça. Ça vous parle? Eh bien, La Fontaine, depuis son XVIIe siècle, a appris aux enfants que nous étions à se méfier des flatteurs, comprendre la vraie valeur du travail, ou encore se dire qu'on avait toujours besoin d'un plus petit que soi. En somme, il nous a donné des enseignements, des valeurs et des idées utiles pour toute une vie. Et ça, il l'a fait en nous racontant des histoires. Le voilà, le cœur de mon idée et le sens de ma passion. L'histoire, ou les histoires, à l'instar des fables de La Fontaine, ont des milliers de choses à nous offrir. En premier lieu, elles nous offrent sur un plateau d'argent les erreurs du passé. Alors oui, je sais très bien ce qu'on peut dire, que c'est les erreurs de grands hommes, aux conséquences sans commune mesure avec celles que nous pourrions commettre. C'est vrai. Mais au même titre que vous ne serez jamais Napoléon Bonaparte, guidant ce qui lui reste de troupes après sa défaite en Russie, vous ne serez jamais Maître Corbeau tenant en son bec un fromage. Et pourtant, rien ne vous a empêché de retenir la leçon de Maître Corbeau, de vous mettre à sa place quand vous étiez petit. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut faire voler en éclats cette barrière qui oppose hier et aujourd'hui, ou les grands hommes des plus modestes. Parce que cette barrière, elle est uniquement dans nos esprits. Alors que l'histoire, elle, elle est omniprésente. Bah tenez, l'omniprésence de l'histoire, on peut en parler. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous, même une bonne partie, qui pour venir ici ce soir, ont réglé leur GPS sur le 14 avenue Saint-Laurent au 91-400 Orsay. Vous vous êtes donc guidé, grâce à une technologie qui n'aurait jamais vu le jour sans la guerre froide, cette même technologie identifiant une rue numérotée selon un système inventé par Napoléon, et qui porte le nom d'un martyr romain mort en 258. Vous voyez tout ce qu'une simple adresse peut nous apporter comme histoire religieuse, technologique et administrative de notre pays, et même du monde de manière générale, pour peu qu'on laisse notre esprit s'adonner à sa propre curiosité. Et notre curiosité, si on la laisse courir, si nous ne lui permettons pas de s'essouffler, nous découvrons encore autre chose à l'histoire. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un enseignement, c'est une vertu, un œil nouveau sur tout ce qui nous entoure. La connaissance de l'histoire nous permet de voir une deuxième dimension à ce que nous trouvons beau et de trouver de la beauté à ce qui en est de prime abord dépourvu. Mais là, ça ne vous parle pas, ce que je vous dis. Là, non, vous n'y retrouvez pas. Donc, ce que je vais faire, c'est à mon tour vous raconter une histoire. Une histoire toute bête d'une visite au musée d'Orsay avec ma copine. On se baladait simplement dans l'allée principale, celle avec toutes les sculptures néoclassiques. On regardait justement un peu toutes les statues, quand soudain, mon regard a été comme happé par l'une d'elles, qui me paraissait vraiment familière. Cette statue, c'était le David et Goliath, d'Antonin Mercier, celle-là. Là. Et là où mon amoureuse voyait une sculpture à la beauté indiscutable, elle avait raison, moi, je voyais un objet d'émerveillement. Parce que je connaissais l'histoire de David et Goliath.
Certains d'entre vous, à mon avis, la connaissent aussi, mais je vais faire un très rapide résumé. J'ai donc commencé à lui raconter, avec une joie immense et une pointe d'orgueil absolument pas dissimulée, que Goliath était un soldat de l'armée philistine dans l'Ancien Testament, aux proportions gargantuesques, qui avait pour mission de soumettre les peuplades juives de la vallée des Térébintes. Et ce géant appela l'armée d'Israël à lui envoyer un soldat qui serait capable de le vaincre en combat singulier. Il réitéra son appel pendant 40 jours. Et au bout du 40e jour, David, un adolescent, fils de berger un peu frêle, répondit à l'appel de Goliath. Il se présenta devant lui, muni de sa fronde, et lui lança une pierre qui se logea en plein milieu du front du géant et la battit d'un coup. Et pendant que je racontais ça, je voyais les gens autour de moi ralentir la cadence de leurs pas, prêter une oreille discrète à ce que je racontais, et même lorsque j'eus fini, aller regarder l'entaille sur le front de Goliath, juste ici. Et c'est à ce moment-là que je le ressentis, le plus grand plaisir que l'histoire puisse nous apporter, celui de raconter. Ce plaisir sans lequel je ne serais pas là devant vous, simplement, et sans lequel l'histoire n'existerait juste pas, d'ailleurs. Ce plaisir intense de me dire que ce jour-là, les gens autour de moi n'ont pas juste regardé une statue, l'ont trouvée jolie, puis se sont mis à en regarder une autre. Non! Ils sont ressortis avec un petit morceau d'histoire. Un peu comme s'ils avaient volé un infime fragment de cette statue. Et même, peut-être, qu'ils sont ressortis avec une étincelle de curiosité, leur disant de regarder un peu autour d'eux, de comprendre l'histoire autour d'eux. Mais là, je me fais peut-être des illusions. Mais bon, si après ce que je viens de vous raconter, David et Goliath, les fables de La Fontaine, Napoléon, tout ça. Même si pour vous, l'histoire, c'est encore quelque chose d'un peu abstrait, d'un peu emmêlé, qui appartient vraiment définitivement aux salles de classe, j'aimerais vous montrer que vous portez tous une histoire. D'abord, votre vie en elle-même est une histoire, ça va de soi. Mais elle est avant tout un chapitre. Un chapitre de l'histoire de l'humanité, pourquoi pas. Un chapitre de l'histoire de France, si on veut. Mais elle est avant tout un chapitre de l'histoire de votre famille. Bah, d'ailleurs, votre famille, du moins votre nom de famille, vous savez d'où il vient ? Bon, si vous vous appelez le maire, le roux, le grand ou chevalier, il y a de bonnes chances pour que vous sachiez d'où vient votre famille et qui étaient vos ancêtres. Mais si j'ai un peu de chance, il y a des lefèvres dans cette salle. Non ? Dommage. Mais bref, vous connaissez sûrement au moins tous un lefèvre, quelqu'un ici ? Ah, j'ai quelqu'un, super. Eh ben, votre ami, là, la personne dont j'ai pas très bien identifié, ne sait sûrement pas que son nom vient du latin faber, qui veut dire fabriquer, qu'il a donné le mot orfèvre, et qu'il désignait au Moyen-Âge un forgeron. Bon, est-ce qu'il y a des Martins dans la salle ? Oui, des Martins, vous êtes le nom le plus donné en France, je prenais pas énormément de risques sur celui-là. Votre nom vient, lui, du dieu Mars. C'est une déformation, c'est pour ça que Martien a un T aussi, comme Martin. Donc vous venez aussi du dieu de la guerre. Là, je me souviens, on parle de nom de famille. Ça me rappelle quelqu'un. J'avais un professeur de câblage au lycée, monsieur Malinowski, qui refusait catégoriquement de nous appeler par nos prénoms. Parce que selon lui, le nom de famille était le porte-étendard de notre famille, qu'il racontait son histoire et qu'on devait en être fier. Monsieur Malinowski avait raison. Il avait tellement raison qu'il a dit en une phrase ce qui m'a pris pas loin de 2 semaines à écrire et 10 minutes à rendre devant vous. Mais quand on y pense, 10 minutes, c'est si peu. C'est rien. C'est absolument insuffisant à qui que ce soit pour parler de sa passion, en fait. Une passion, ça se raconte tout au long d'une vie, au fil de ce qu'on lit, de ce qu'on voit, de ce qu'on apprend, des gens que l'on rencontre. Parce que oui, pour moi, l'histoire, et même la passion de manière générale,
c'est avant tout des rencontres. Des rencontres avec des personnalités, avec d'autres passionnés, qui vous donnent un nouveau regard sur votre passion, ou qui même vous en donnent une toute nouvelle. Eh bien, j'espère que cette soirée, ça a été pour vous une rencontre. Une rencontre qui vous a permis de vouloir ouvrir les yeux, qui vous a donné cette curiosité, qui vous a donné envie de regarder l'histoire et le beau qu'elle suscite tout autour de vous. Et si la prochaine fois que vous passez dans une rue Sainte-Geneviève ou que vous arrêtez à la station de métro du Roc, vous vous dites « Mais qui est-ce que c'était Sainte-Geneviève ?» ou alors « Mais qu'est-ce qu'il a fait le maréchal du Roc ?» et que vous allez chercher la réponse, alors les quelques minutes que nous aurons passées ensemble ce soir auront vraiment été utiles et auront vraiment transmis ce que signifiait pour moi le mot « passion ». Je vous remercie infiniment et je vous souhaite une excellente soirée.